Bon, alors, on appuie pour faire les photos? Alors, je suis Julie Debona. Quels sont les trois mots qui te définissent le mieux? Mais c'est horrible de se définir en trois mots. Tout feu, tout flamme. C'est pas mal, ça, comme expression qui date des années 80. Je crois que je suis une bonne copine. Super grande sœur et une super meuf pour tous mes mecs. Et tu en as un en ce moment? Oui. Quelle est ta meilleure technique de drague? Ah! Mais je ne drague pas, moi. Je ne drague pas. J'ai pas besoin de draguer. Je ris aux blagues des hommes. Comme ça, je leur laisse croire qu'ils sont hyper drôles, hyper séduisants. Mais t'es génial, mais c'est incroyable. Ah bon? Ah voilà, comme ça je valorise le mec en face, mais faut pas le dire ça, parce que sinon après je peux plus draguer. Hein. Il paraît que tu as fait des études très sérieuses. Mais je suis très sérieuse comme fille. C'était de la biochimie. La première fois que j'ai joué au théâtre, donc à une représentation professionnelle et tout ça, on avait fait la première, on a bu du champagne et tout, c'était super festif. Le lendemain matin à 8h, je faisais la dissection de la grenouille. J'ai vite choisi, j'ai vite compris qu'il fallait que je choisisse entre la biochimie ou le théâtre. Quelle est ta chanson honteuse préférée? Je suis malade, complètement malade. J'adore cette chanson. Oh non, non, non! Peux-tu imiter l'ennui Gautry? Voilà, je n'ai que ça à dire. Non, je rigole. Tu es un peu plus bavard que Clovis? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois, il est un peu comme Clovis, un peu taiseux et on sent qu'il ne faut pas trop venir le chercher. Et il y a des fois où il se lâche, il me raconte plein de trucs et c'est très sympa. Et puis, il est assez passionnant parce qu'il regarde plein de reportages, il retient plein de choses. Donc, d'un coup, il se met à parler et il se dévoile. Je vais vous mettre la musique de ce que je mets avant de monter sur scène, d'accord? Qui me met la patate. Voilà, c'est la musique d'avant de rentrer sur scène. Est-ce qu'on t'a déjà confondu avec quelqu'un d'autre? On m'a confondu avec Mélanie Bernier ou Vaina Gioconte. Alors moi, à chaque fois, ce sont des filles assez sympas et très jolies, donc ça me dérange pas. Voilà, un petit smiley. Le smiley, c'est tout soir. Mais c'est ça, regarde. Je vais essayer de faire toutes tes têtes des smileys. Raconte-nous ton pire moment de honte. 4h du matin, à la sortie d'un bar cost, un truc chic, tu vois. Il pleuvait, et donc je sors le parapluie, et spontanée comme je suis, je chante I'm Singing in the Rain, et je danse, et je fais des super mouvements avec le parapluie, et je me suis fait un vol plané devant tout le monde, j'ai glissé devant tout le bar, 4h du matin, voilà, je me suis rétablie. J'ai mis la tueuse du lac qui est passée par là.